Salut à tous, c'est Macradan. On se retrouve sur Minecraft toujours en 1.18.2, malgré la sortie de la 1.19 ces jours-ci. La dernière fois, je vous avais parlé du fait que j'allais importer ma salle de stockage de ma précédente partie sur celle-ci et que j'allais commencer à construire l'anneau pour assécher le temple de la mer. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais tout de suite vous laisser découvrir ça via un petit timelapse et je vous présente après les deux éléments.
Pas énormément de choses. Bon, si j'ai du charbon. Avec des item frames ici qui sont invisibles via un data pack. Et sur chaque item frame, j'ai mis un item renommé. Donc ça donne cet effet que je trouve assez sympathique. Donc, voilà, j'en ai aussi ici. On voit que là, j'ai pas encore mis d'objets dedans. C'est pour ça que ça clignote de cette manière. Donc par la suite, il y aura la construction qui continuera dans ces directions-là, sur les bords. Mais pour l'instant, j'ai vraiment fait juste une paroi basique. Il y a également, si je vais par ici, donc ici c'est l'overflow. Donc en gros, quand des items, pour l'instant tous les filtres ne sont pas faits, mais quand tous les filtres seront faits, s'il y a des items qui passent dans le système et qui ne sont pas filtrés ou qui sont surnuméraires, ils arriveront ici. Enfin, j'aurai juste qu'à vérifier de temps en temps le contenu de ces coffres pour voir où en est ma production, mon filtrage. Donc il y aura sans doute aussi un système, quand l'overflow sera plein, ça détruira les objets. Et ici, quand j'ai creusé, j'ai remarqué que j'avais des slimes qui pouvaient apparaître. Donc je vais pouvoir profiter pour faire une petite usine à slime là-dessous, qui sera reliée bien entendu au reste. Alors je vais remonter. Pour l'instant, l'usine à fer n'est pas encore reliée, ça sera fait prochainement. Et donc là, normalement, si je mets, je vais prendre un objet que je sais qui est déjà filtré. Ah, un peu de charbon. Si je mets le charbon ici, je referme. Il est aspiré. Et pas bien depuis ici, mais il monte dans un ascenseur à item qui est par là. Et il fait pas tout le tour pour celui-ci vu que le filtre est proche, mais logiquement on devrait y retrouver. Voilà. Donc tout fonctionne encore, c'est tant mieux. Maintenant je vais aller vous montrer la suite. Alors je sais plus dans quel coffre j'ai rangé mon armure. Alors ça n'a pas l'air d'être là. Je vais faire 100. Je pense que je devrais pouvoir. Si je meurs, c'est pas trop grave. Je vais peut-être juste dormir. Et donc la suite, je vais passer en mode spectateur, comme ça. On va vous montrer de cette manière. Donc j'avais toujours mon usine ici qui fonctionne très bien, comme on voit la production. Et du coup, j'ai ici l'anneau en paroi de verre qui a été terminé. Avec... j'ai déblayé un petit peu la zone, j'ai enlevé les plantes, le kelp. Faut que j'enlève le kelp pour... ah, il en reste. Oui, il reste aussi encore pas mal autour. Mais pour assécher tout ça. Et l'assèchement sera la prochaine étape. Donc ce sera fait tout simplement avec... quoi, il y a un poussin. Avec du sable qui sera poussé. Donc je ramènerai des tonnes de sable ici. Je mettrai un piston avec un observeur en face. On pose du sable, ça détecte qu'il y a quelque chose, ça le pousse de 1. Il tombe et on fait des colonnes comme ça. Avec 7 d'espace entre deux, ou 5 je crois. Et après des éponges et hop, on fait tout disparaître. Et il y aura également le fait de creuser dans cette zone. Parce qu'on voit que j'ai déjà commencé un petit peu à assécher. Mais il y a encore certaines
Certains endroits, c'est qu'il y a de l'eau. Donc je vais tout finir d'assécher. Et comme ça, ultérieurement, je pourrais construire une petite usine à Guardian là-dedans. Donc je vais retourner dans ma base. Donc ces étapes ne vont pas être faites la prochaine fois. Parce que j'ai déjà pas mal passé de temps là-dessus. Ça m'a pris un certain nombre d'heures. Pour la suite, j'aimerais bien aller explorer un petit peu l'End. Parce que j'ai pas encore récupéré. Enfin j'ai des élytras, mais j'ai pas encore récupéré de Shulker. Et pour transporter suffisamment de sable là-bas, ça pourrait être bien pratique d'avoir une petite réserve de Shulker. Et ici, si je veux voir, ouais, la production se passe bien. Bon, j'espère que cet épisode, principalement en timelapse, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.